Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis, chers confrères prêtres, bienvenue à chacune, chacun d'entre vous. Merci d'être venus si nombreux cet après-midi à notre église Saint-Rémy de Vaudrechain à l'occasion de ce 50e anniversaire de la construction de l'inauguration de la bénédiction de la grotte de Lourdes. Et vous le savez bien, comme Paul nous l'a rappelé, cet anniversaire marque aussi cette longévité, mais en même temps, cette continuité de la foi du peuple ici à Vaudrechain et environ, et ailleurs aussi d'ailleurs, pour honorer la Vierge Marie. Il y a eu aujourd'hui plus de 25 000 pèlerins qui ont assisté à la messe de Lourdes dans cette fête solennelle de l'Assomption. Et vous imaginez bien qu'à travers le monde entier, il y a beaucoup, beaucoup de lieux dédiés à Marie. Et on imagine bien le million de pèlerins qui se rassemblent aujourd'hui en cette journée solennelle de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Le 15 août 1966, donc il y a exactement, jour pour jour, il y a 50 ans, la grotte de Lourdes de Vaudrechain a été inaugurée et les vêpres ont été présidées par l'abbé de Tolaille, l'abbé Pierre Borne.
J'avais écrit un petit mail à Tolaï, mais je pense que le Père Abbé n'était pas disponible. En tout cas, ils sont de tout cœur unis à notre prière en ce jour. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres raisons historiques pourquoi c'était le Père Abbé de Tolaï qui a inauguré ou présidé ces vêpres il y a 50 ans. On pense probablement qu'il y avait une grande amitié entre le curé d'ici de l'époque et le Père Abbé Pierre Borne. Mais c'est aussi une façon pour nous de nous rappeler que l'histoire, ce sont des liens au-delà de nos frontières linguistiques culturelles, puisque Tolaï est aussi lié à l'abbaye de Bouzonville, de par l'histoire. Mais au-delà du temps passé, c'est l'aujourd'hui de la présence de Dieu au cœur de nos vies que nous voulons célébrer à travers ces vêpres solennelles de l'Assomption. Dans un instant, nous allons chanter avec la chorale et puis toute l'assemblée, nous allons chanter des psaumes. Ce sont les psaumes de l'Assomption. Alors, un psaume, c'est un poème, c'est une poésie. On pourrait dire que c'est une prière chantée qui a été composée, d'après les historiens de la Bible, le roi David. Mais on sait que c'est un récapitulatif de l'histoire du peuple de Dieu avant le Christ. Et à travers ces paroles des psaumes, on sent bien que le peuple de Dieu s'adresse à son Seigneur et Sauveur pour lui confier à la fois des situations de louange, des situations de détresse, des situations de lamentation. Dans les 150 psaumes, on trouve tous les aspects de la vie et parfois les psaumes reflètent parfaitement la situation des hommes de notre temps. Nous le savons, puisqu'on a parlé de Tolaï, les moines et les moniales au quotidien chantent les psaumes, et c'est à travers les psaumes que nous nous souvenons aussi que le Christ lui-même les a chantés, priés, médités, mais pour mieux en vivre. Alors, ces psaumes que nous chantons maintenant devraient peut-être nous aider à nous rappeler que Jésus lui-même priait avec ces psaumes, et la différence avec nous, c'est que ces psaumes nous rappellent que le Christ a accompli la parole de Dieu dans toute sa dimension. Alors, ensemble, honorons la Vierge Marie à travers cette prière des vêpres solennelles de l'Assomption. Ensemble. La Vierge Marie est élevée au ciel, tous les anges bénissent le Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. La Vierge Marie est élevée au ciel, tous les anges
Fils, le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est en vain que en vain tu devances le jour, tu regardes le moment de ton repos. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Or, l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour des siècles, Amen. Elle resplendit la gloire de Dieu, elle a l'éclat d'une pierre précieuse. Tu es béni du Seigneur, toi qui nous as donné le fruit de la vie. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Tu es béni du Seigneur, toi qui nous as donné le fruit de la vie. De même, c'est dans le Christ que tous
Frères et sœurs, chers amis, en l'honneur de cette fête solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie et dans le cadre de ces festivités ici à Vaudrechain, 50e anniversaire de la construction, inauguration, bénédiction de la grotte ou la reproduction de la grotte de Lourdes, nous pouvons aussi évoquer ces lieux de pèlerinage locaux, entre autres Remelfan, qui a Notre-Dame de Réconciliation. C'était dans un contexte d'après-guerre, et c'est souvent dans un contexte d'après-guerre que beaucoup de lieux dédiés à Marie ont été créés, parce qu'on revenait d'un second conflit mondial qui avait fait beaucoup de victimes, et on ne peut pas s'imaginer ce que la guerre peut laisser comme trace indélébile, comme trace et d'inquiétude. Et même si en Europe la paix a duré depuis, une autre guerre ou d'autres guerres n'ont jamais cessé. Ce n'est pas parce que chez nous il y a la paix qu'ailleurs il ne faut pas penser à ce qui se passe ailleurs. Et puis avec l'avènement du terrorisme depuis de longues années maintenant, c'est peut-être notre guerre mondiale à laquelle il faut s'affronter. Alors, celles et ceux qui, à ces époques, ont dédié des lieux à Marie pour persévérer dans la foi, quoi qu'il arrive, face à la menace, quelle qu'elle soit, nous ne sommes peut-être plus dans ce contexte où nous érigeons des lieux de culte. Nous avons déjà bien du mal à utiliser et à faire vivre les lieux de culte existants. Mais il serait dommage d'abandonner à cause de la peur, à cause de la terreur. Il serait dommage d'abandonner la foi. Et c'est pourquoi Marie nous est donnée en exemple pour cheminer dans la vie et dans la foi. Ce qui fait la grandeur de Marie, c'est justement, c'est tout à fait paradoxal, c'est sa petitesse. C'est parce qu'elle est restée humble, petite, servante et simple que Dieu l'a choisie. Et comme nous venons de l'entendre dans cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste sur le fait que par le Christ, le dernier ennemi a été vaincu, à savoir la mort. On peut donc dire très clairement que par Marie, qui a accepté de dire oui à Dieu, qui a accepté d'être la mère du Sauveur, c'est parce qu'elle a dit oui à Dieu que le Père éternel a pu réaliser son œuvre et anéantir définitivement ce mal qui taraudait l'être humain depuis l'origine. C'est parce que Marie a mis au monde le Sauveur que Jésus a pu naître en ce monde et par sa mort et sa résurrection anéantir la mort et mettre sous ses pieds le dernier ennemi. À travers ces festivités, nous voulons nous aussi nous remettre dans les pas de Marie pour accepter en toute humilité, en toute simplicité d'être humble serviteur, servante du Seigneur. Et nous le savons, il n'y a pas besoin d'aller loin pour être charitable et miséricordieux. C'est dans le quotidien de nos vies, à travers des gestes tout simples, à travers un sourire, une parole qui réconforte et non pas une parole qui blesse, à travers une main qui se tend pour relever et non pas une main fermée pour marquer la haine ou la violence. Nous pouvons, à travers des gestes simples au quotidien,
mettre nos pas dans les pas de Marie pour être servantes et serviteurs du Seigneur. Que l'Esprit Saint nous aide au quotidien, frères et sœurs, à persévérer dans la foi quoi qu'il arrive, puisque l'Assomption de Marie, sa montée au ciel corps et âme, n'est que la préfiguration de notre propre résurrection qui nous rappelle que nous sommes faits pour la vie et non pour le malheur, pour le bonheur et non pour la tristesse. Que la foi de Marie anime pleinement notre foi. Amen. Chers amis, pour la suite de notre célébration, dans un instant, avec le chant du Haut Salutaris, nous allons exposer le Saint-Sacrement. Et puis, pendant que nous chanterons Laudate Jérusalem et Benedictus, nous nous mettrons en procession avec d'abord les servants d'autel et puis le Saint-Sacrement. Et après, la chorale pourra suivre et toute l'assemblée. On marchera en procession vers la grotte, où nous déposerons le Saint-Sacrement et nous terminerons ensemble les vêpres devant la grotte, puisque nous avons cette formidable chance d'avoir du très beau temps. Marie est vraiment avec nous, alors on va vraiment en profiter. L'adoration du Saint-Sacrement durant les vêpres solennelles, c'est aussi pour bien signifier que même si nous fêtons une très grande fête mariale, c'est le Christ qui est au centre de cette fête, parce que c'est le Christ qui met en valeur Marie, puisqu'elle est la mère du Sauveur, la mère de l'Église. Et puis de toute façon, nous nous souvenons, Marie elle-même l'a dit, elle a dit aux serviteurs aux noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie est celle qui nous invite à entendre la parole de Jésus, à la mettre en pratique. Que l'adoration du Saint-Sacrement nous aide aussi à retrouver ce chemin de l'écoute, d'une bonne écoute de la parole de Dieu pour une bonne mise en œuvre. O salutaris hostia.
Lorsque Marie se mit en route rapidement chez sa cousine Élisabeth, Élisabeth la salua en lui disant « Je te salue Marie ». Et c'est comme ça que le « Je vous salue Marie » que nous connaissons est à la fois la salutation de l'ange Gabriel et la salutation d'Élisabeth. À travers cette prière du « Je vous salue Marie », nous voulons confier au Seigneur toutes les familles de la terre. Nous voulons confier au Seigneur toutes celles et ceux qui ont besoin de notre soutien, de notre prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand Marie entendit la salutation d'Élisabeth, elle se mit à chanter le Magnificat, que nous aussi nous chantons maintenant, parce que pour chacune, chacun d'entre nous, comme pour Marie, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur, pour chanter le Dieu vivant. Magnificat. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum, et exultativit spiritus meus, in Deus salutari meum. Quia respectit humilitantem ancies suae, et genim et auxiliatam efficient omnes generationes. Quia fecit in mania qui potens est in sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo dispersit superbos mente cordis sui, deposui potentes de sede, et exaltavit humiles, et surrientes simplevit bonis, et divites dimissit in anes, succepit Israel puerum sum, recordatus misericordiae suae. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini, eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Voilà, je te le redonne. Bénissons maintenant notre Dieu. Il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la mère de son Fils. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Servante,
Attentive à ta parole, modèle du cœur qui écoute, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celle qui a mis au monde ton Fils, la mère de l'homme nouveau, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, présence maternelle dans l'Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix, force des accablés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques, espérance des vivants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour celle que tu as fait monter au ciel près de ton Fils, secours des mourants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Pour les siècles des siècles, amen. Salus omnibus tuus quoque si dedit.
Cœur sacré de Jésus, devant toi nous nous tenons. Viens illuminer nos cœurs. Viens embraser nos cœurs de ton amour. Que nous soyons capables chaque jour de suivre la voie du Seigneur comme Marie ta mère. Qu'à chaque instant nous soyons capables de dire oui à Dieu et de lui redire sans cesse oui. Que nous soyons mesurés, que nous soyons capables de mesurer même les risques que cela comporte de suivre le Christ. Que jamais nous ne baissions les bras, car tu es le Dieu avec nous, quoi qu'il arrive, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux avant de chanter Salve Regina. Nous remercions le Conseil de Fabrique pour avoir organisé ces festivités. Et puis, Paul, on se rend après près du parking de la mairie. Nous sommes conviés à un temps de rencontre convivial. Et en chantant le Salve Regina, nous voulons saluer encore une fois la Vierge Marie qui est elle aussi à nos côtés à chaque instant. Saluons la Reine du Ciel. Gementes et flentes, in ac lac